Bonjour tout le monde. Hey, coucou tout le monde, contente de vous voir. Coucou Sarah, merci d'être là. Pierre, comment ça va? Moi, ça va. Oui, je me suis levée super tard ce matin. Je crois que je suis encore endormie. Et toi, comment tu vas? Racontez-moi comment vous vous sentez ce matin. Est-ce que vous avez des envies particulières pour le cours d'aujourd'hui? Là, c'est bon. Coucou Joséphine, comment ça va? J'ai vu que tu étais là hier. Contente de te revoir. Ok. Dites-moi si vous avez envie de bosser quelque chose en particulier ce matin. Comme c'est les derniers cours, j'essaye vraiment de caser au maximum vos besoins dans le cours. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est l'occasion. Est-ce qu'il y a certaines postures que vous vouliez revoir? Je pense que les cours vont s'arrêter à la fin du mois de juin. Du coup, s'il y a des postures que vous vouliez essayer de faire, s'il y a des postures que vous vouliez revoir, que vous n'aviez pas trop compris, c'est l'occasion aussi. Et si vous voulez travailler quelque chose, je peux aussi vous donner par exemple un exemple de séquence à faire pour des cas en particulier. Par exemple, une séance à faire la veille d'un partiel ou des choses comme ça. Donc, oh Sarah, comment tu vas? Ok. Content de vous voir tout le monde. Dernier petit réglage. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas si vous voulez faire quelque chose en particulier aujourd'hui. Sarah, les vidéos ne sont pas dispo sur la page, pourquoi? Alors, il y a des services civiques qui s'occupaient de la page et qui sont partis vers la fin du mois de mai, je crois. Et du coup, ils ont migré toutes les vidéos sur une page Facebook qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Culture Crous Ama. Oui, je crois que c'est ça. Et du coup, la plupart des vidéos des cours de yoga sont là-dessus. La dernière fois que j'y avais été, elles n'y étaient pas toutes, par contre. Donc peut-être qu'entre-temps, ils ont fini de les mettre. Je vais vérifier. Oui, c'est ça, Culture Crousama. Normalement, il y a toute une playlist avec les lives de yoga. Et n'y a pas toutes les vidéos, mais il y en a la plupart. Il a fallu nettoyer la page, je pense, parce qu'elle devenait trop saturée de lives. Entre les lives de Zumba, de yoga et les lives de psycho, depuis le début du confinement, ça commençait à en faire beaucoup. Et donc il a fallu tout migrer sur YouTube. La plupart sont là-bas, sont sur cette page. Séance d'étirement, pas trop rapide. D'accord. Sarah, oui, c'est les derniers cours. On continue jusqu'à la fin du mois de juin. Et Chloé, oui, c'est ça, c'est sur la page qui s'appelle Culture Crous Ama, du coup. Enfin, sur YouTube. La chaîne. Ok. Joséphine, j'aime beaucoup les poses dans le sol dans lesquelles on s'étire et on met chaque os et muscle à sa place. Ouais. Ok. Je vois de quoi tu parles. Ok. Donc un cours un peu tranquille, on se focus sur les étirements et la souplesse aujourd'hui. Si c'est ok pour tout le monde, on peut y aller. Alors. Ok. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. J'ai pas mis mon tapis.
s'asseoir, le bassin bien ancré dans le sol. La musique s'est arrêtée. On ferme les yeux un instant. Et on laisse toute la tension revenir dans le corps. Laisse le souffle s'installer tranquillement dans le corps et prendre toute la place dont il a besoin. Laisse le bassin s'ancrer un peu plus et le dos se redresser. Les épaules se détendre. Respirez avec le ventre. Gonflant le ventre à l'inspire et en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale à l'expire. Doucement, on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. Et on s'étire tranquillement dans tous les sens. Allez chercher encore plus loin. Et expire, on descend vers la gauche, on pose la main gauche au sol, on garde la poitrine ouverte. Poussez votre main droite aussi loin que possible. Inspire, on remonte, on pose la main droite au sol et on étire à gauche. Expire, on descend encore un petit peu. Et inspire, reviens au centre. Lève les bras et tire. Expire, on arrondit le dos. Et inspire, suivante. On creuse le dos, on lève la tête vers le plafond. On descend les épaules. Expire suivante, on referme. Étirez tout l'arrière du dos. Inspire haut. Expire, referme. Laissez bien les omoplates vers l'avant. Et inspire, reviens au centre. Tendez les deux pieds devant vous. Inspire, lève les bras vers le ciel. On redresse le dos. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin pour ramener bien le bas du dos droit. Pas le laisser s'arrondir. Et si besoin, n'hésitez pas à plier les jambes. Et expire, on descend dos droit d'abord, autant que possible, encore, encore, encore. Et expire, on relâche.
pointé vers le plafond. Et attrapez vos jambes aussi loin que possible. À chaque inspire, on remonte un petit peu. Et à l'expire, on descend. Arrivez à attraper vos orteils, poussez vos orteils loin devant, contractez les bras, gardez les bras pliés légèrement pour que vos pieds tirent votre dos et pas vos épaules. Et on relâche, inspire, on se grandit encore, et expire, on redescend à nouveau. Essayez d'avancer vos votre poitrine, votre cœur vers l'avant plutôt que seulement les épaules. Et inspire, on déroule le dos. Vertèbre par vertèbre. On détend les épaules. Des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Expire, cette fois on ouvre les pieds plus larges que le bassin, autant que possible. En fonction de la place que vous avez, on vient fléchir les orteils pour qu'ils pointent vers le plafond. Inspire, on se redresse et expire, encore une fois on descend vers le centre. Allongez le dos et expire, on relâche. Collez les mains à plat sur le sol devant vous et venez tirer sur vos bras pour avancer le cœur. Inspire, on déroule le dos. Pivote vers la droite. Inspire, lève les bras. Et expire, on descend vers le pied droit. Relâchez le dos. Et essayez d'avancer le cœur aussi loin que possible. Gardez toujours les deux orteils, les deux pieds fléchis et les orteils pointés vers le plafond. C'est pour éviter que la jambe roule vers l'extérieur. Comme tout à l'heure, on inspire, on se redresse. On expire, on descend. Encore une fois, on relâche tout. Et tout doucement, inspire, on remonte. On ramène le dos bien droit. Inspire, lève les bras. Et expire.
pied, on descend vers la gauche. Gardez bien les deux fesses au sol et les orteils bien fléchis. Croisez les pieds, bascule vers l'avant et on vient se mettre à quatre pattes. Laissez votre dos revenir à une position neutre et donnez à votre corps tous les mouvements dont il a besoin. Bougez à son rythme. Et tout doucement, venez creuser le dos, regardez en haut. Et expire, on arrondit le dos, on rentre la tête. Inspire, creuse, regarde en haut. Et expire, arrondis. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Viens faire des cercles avec le dos dans un sens. Inverse le mouvement, cette fois on expire, on arrondit le dos, on envoie le bassin derrière. Posture de l'enfant. Avancez les bras aussi loin que possible. Et expire, on creuse le dos, on remonte. Et expire, on arrondit, on repart derrière. Encore deux fois à votre rythme. Venez trouver la fluidité dans le mouvement. Expire, on crochète le sol avec les orteils. On pousse sur ses bras, on envoie le bassin derrière. Jambes pliées d'abord. Doucement, bien tendre les jambes l'une après l'autre. Prenez le temps de bien étirer chaque muscle et chaque jambe dans la posture. Inspire, lève la jambe droite. Poussez le talon aussi loin que possible. Gardez les hanches alignées. Et expire, amène le pied entre les mains.
On reste ici un instant. On recule son pied gauche pour garder le talon et les orteils gauches bien alignés. Sans descendre un peu plus. Et expire, on pose les deux mains au sol, à l'intérieur du pied droit. Et on laisse le pied s'ouvrir vers l'extérieur. Vous pouvez basculer sur la tranche externe du pied pour ouvrir un peu plus ici. Et tout doucement, si on le sent, on vient poser les deux coudes au sol. Rallonge le dos autant que possible. Inspire, lève la jambe gauche. On pousse le talon loin derrière sans trop ouvrir les hanches. Et expire, pied entre les mains. Reculez le pied droit. Ouvrez les jambes autant que possible. Poussez sur les orteils du pied droit pour lever la cuisse droite vers le plafond. Laissez le bassin descendre. Et expire, genou au sol. On reste ici un instant. Inspirez, levez le dos droit. Et inspire, on se redresse complètement. On lève les bras vers le ciel. Et expire, on descend le bassin. Et on lève le cœur vers le plafond. Et expire. On repose les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On ouvre le pied vers l'extérieur. Et si on veut, on bascule sur la tranche externe du pied gauche. On étire tranquillement. Et si on le sent, on descend sur les pieds. Allonge le dos autant que possible.
expire, on remonte. On envoie le pied gauche derrière, chien tête en bas encore. Doucement, on inspire, on ramène les deux pieds à côté des mains, on plie les jambes, on inspire, on remonte à moitié, Ardha Uttanasana, dos droit, on ouvre la poitrine, et expire, on relâche. Pince debout un instant. N'hésitez pas à plier les jambes si vous le souhaitez, mais cherchez à allonger votre dos vers le sol. Poussez le sommet de la tête. On attrape l'arrière des genoux si on peut. Et on pousse ses pieds dans le sol. On lève le bassin encore plus haut. Et on rapproche la tête des jambes. Et expire, on relâche un petit peu, on vient détendre les épaules, la nuque. Tout doucement, on envoie la jambe droite derrière. On pose le talon droit au sol, les orteils légèrement ouverts vers l'extérieur. On peut garder la jambe gauche fléchie. On va travailler tout doucement à venir la tendre de plus en plus. Gardez bien vos hanches face à l'avant et bien alignées. Relâchez complètement le dos et la tête. C'est pas grave si la jambe reste un peu pliée. Travaillez vers l'alignement. Respirez. Détendez le dos encore. Ne poussez pas trop fort sur la jambe. Respectez vos limites toujours. Basculez sur la pointe des orteils, ramenez vos orteils face à l'avant et montez sur les orteils du pied droit. Tout doucement, ramenez vos deux mains derrière votre pied gauche, les doigts face au mur derrière vous. Et tout doucement, essayez de rapprocher vos deux genoux ensemble. Le poids du corps et du cou sur le pied de devant et les deux mains. Et super, on relâche. On ramène les deux mains devant, les deux pieds ensemble. Pince debout encore. On inspire, Ardha Uttanasana. Dos droit, jambe droite. Et inspire, remonte complètement. Inspire, lève les deux mains. Et expire, on redescend, pince debout encore. Posez les deux mains au sol, pliez les jambes et envoyez la jambe gauche derrière. Talon au sol, orteil ouvert vers l'extérieur. Et tranquillement, on essaye de tendre la jambe droite en gardant bien les hanches alignées face à l'avant.
relâchez complètement le dos, les épaules, la tête.
en déroule le dos vertèbre par vertèbre. Viens ouvrir les pieds plus large que le bassin. On pose les deux pieds complètement sur le sol. Trouvez l'ouverture qui vous permet d'avoir toujours les orteils au sol. N'essayez pas d'ouvrir trop si ça fait se décoller votre gros orteil. On inspire, on allonge le dos. Et expire, on va descendre la poitrine et les épaules entre les jambes. Si ce n'est pas possible et que vous avez les pieds trop fermés, c'est pas grave. Vous pouvez poser les bras à l'extérieur et juste travailler à descendre autant que possible et à travailler sur l'ouverture des pieds. Ok ? Inspire, allonge le dos. Et expire, descend encore un peu. Trouvez votre limite. Mais essayez de descendre à chaque fois un petit peu plus. Et dès que vous pouvez, venez passer vos deux bras sous les jambes pour que les mains pointent vers le mur derrière vous. Les orteils sont toujours collés au sol. C'est ok si vous vous redressez un petit peu du coup. Et passez les bras sous les jambes. Et tournez les doigts vers l'extérieur, vers l'arrière. Et là encore, on cherche à descendre la poitrine autant que possible. Cherchez à descendre le cœur plus qu'à descendre la tête. Et tout doucement, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On ramène le dos droit. On expire. On vient. Tendre la jambe gauche devant et on croise la jambe droite par-dessus, pied au sol. Inspire, allonge le dos, ouvre les bras et expire, pivote vers la droite. On attrape son genou droit avec la main, le coude, le bras passé devant, comme vous voulez. Main droite sur le sol, près des fesses. Le but, c'est d'ouvrir la poitrine. À l'inspire, on se grandit. À l'expire, on pivote un peu plus. Respirez tranquillement avec le ventre et poussez le cœur un peu plus vers la droite.
regarde derrière soi, c'est possible. Et expire, reviens au centre. Contre-posture de l'autre côté. On change de jambe. On ramène. Le pied gauche par-dessus la jambe droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi plier la jambe droite pour amener le pied à côté des fesses. Gardez toujours vos deux fesses sur le sol, dans tous les cas. Inspire, on se grandit. Et expire, on pivote à gauche. À chaque inspire, on se grandit. Et à chaque expire, on pivote un peu plus. Posture de l'autre côté. On relâche, on revient au centre. Si vous avez une sangle à proximité, prenez-la, une ceinture ou un foulard. Je la mets aussi. Et tout doucement, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On lève le genou droit, on le ramène vers la poitrine. Poussez la jambe droite dans le sol.
Et expire, on relâche. On replie la jambe. On envoie les pieds vers le sol. Cette fois, on ramène le genou gauche sur la poitrine. À votre rythme, on revient se rasseoir. Tendez les jambes devant vous, fléchissez les orteils. Inspire, on lève les bras. Et expire, on descend. Dos droit d'abord, comme tout à l'heure. Voyez si déjà vous pouvez descendre un peu plus bas qu'au début du cours. Et ensuite, on relâche complètement. Et
et observez tous les changements à l'intérieur par rapport au début du cours. Se rallonger tout doucement sur le dos. Gardez les jambes pliées un instant et venez faire des petits battements avec les genoux dans un sens et puis dans l'autre pour masser le bas du dos. Tranquillement, viens allonger les deux jambes, les bras le long du corps, les paumes vers le plafond. Relâche complètement le visage, la mâchoire, les épaules, la poitrine, le ventre et le dos, le bassin et les jambes. Thank you.
ramènera la conscience dans le souffle. La conscience dans le corps. Avant de venir se mettre en position fœtale du côté droit. On expire profondément, on relâche tous les muscles. Tout doucement, on vient se rasseoir en gardant les yeux fermés. On se concentre sur l'alignement entre le bassin et le sommet de la tête. Et tout doucement, on soulève les épaules, inspire. Et expire, on relâche tout. Merci à tous d'avoir suivi le cours aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous dans la journée. Namasté. Joséphine, j'espère que tu auras passé un bon moment et que ça t'aura plu. Bon, pour tous les autres aussi, du coup. Mais comme tu voulais quelque chose d'un peu plus ciblé souplesse, j'espère que c'était assez lent. J'ai essayé de trouver un rythme qui puisse convenir à la plupart d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent des cours un peu plus dynamiques et rapides. Donc j'espère que c'était un milieu qui a su vous parler à tous, à peu près. Je vais vous laisser. Pierre, je me demandais, tu crois qu'on pourrait faire une séance dynamique lundi? Oui, carrément. Carrément. J'essaye de ne pas oublier. Si jamais j'oublie, n'hésite pas à me le redire. Mais carrément, lundi, on peut faire un truc un peu plus peps. Ok. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Pierre, alors en tout cas, c'était pas plus mal que ce soit plus lent aujourd'hui. Ok. Comme ça, ça vous fera un peu des deux. C'est vrai qu'on a fait des cours assez tranquilles cette semaine, qui étaient plus reposants et restaurateurs. Du coup, la semaine prochaine, on pourra partir sur quelque chose d'un peu plus dynamique, puisqu'on se sera assez bien reposé physiquement cette semaine. Ok. Passez une très très bonne journée. Je vous dis rendez-vous ce soir pour le Yoga Nidra à 20h45. Bye bye.